En faisant le numéro 27, la page 569, on a dans une série radioactive de l'actinium qui commence par l'uranium, le produit de la désintégration finale qui est stable, c'est du plomb 207-82. Combien de particules alpha et d'électrons sont émis pour atteindre cet état final-là? On veut savoir combien il y a en fin de compte. Comment on procède lorsqu'on a une réaction de désintégration ici? Cette réaction de désintégration-là, on veut la prédire. On connaît l'état initial, on connaît l'état final. On part avec l'uranium, on finit avec du plomb. Mais on commence par l'écrire. Là, on a déjà nos éléments, puis on ne sait pas il y a combien d'hélium et il y a combien aussi d'électrons là, qui étaient mis là. On va appeler ça M, là. Ça marche? Bon, là maintenant, pour arriver à faire ça, on commence par faire la conservation du nombre de nucléons. Vous allez vous rendre compte que dans chacune des désintégrations, il y a toujours conservation du nombre de nucléons. Donc, il n'y a jamais un proton qui disparaît complètement, il n'y a jamais un neutron qui disparaît complètement. Alors, ça va juste, si c'est une réaction de fusion, de fission, ça va changer, ça va juste se déplacer. Ou si c'est carrément un noyau qui se désintègre pour changer un peu son état, le noyau, ben encore là, le nombre de nucléons va toujours être conservé. Donc là, on part avec 235 ici, on a 207, ici on a 4, puis ça, ce n'est pas des nucléons, c'est des électrons qui sont émis. Fait qu'on a 4N, on isole, on trouve N égale à 7. Bon, maintenant qu'on a trouvé N égale à 7, ce qu'on veut faire, ben, on veut arriver à faire la conservation de la charge pour voir il y a combien, en fin de compte, d'électrons qui vont être émis. Donc on commence avec les protons. J'ai 92 protons. Ici, j'ai 82 protons. Puis, en fin de compte, ici, j'en ai deux, mais j'en ai 7. 2 fois 7, ça veut dire j'en ai 14 protons. Hein? Donc, en bout de ligne, si je regarde, ce n'est pas équivalent. J'ai plus 4 protons ici, là, qui vont être après. Je vais aller voir mes neutrons, les N0. Donc, pour les N0, ici, j'en ai combien? Mais je fais ça moins ça, j'arrive à 143 neutrons. Ici, naturellement, je fais ça moins ça, j'arrive à 125 neutrons. Puis ici, ben, j'ai 2 neutrons. 2 neutrons fois 7, ça donne 14. Et naturellement, ben, j'ai 4 neutrons qui ont disparu. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai 4 neutrons qui se sont transformés en protons. Ça veut dire que c'est 4 neutrons qui se sont transformés en 4 protons. Puis vous savez que quand un neutron se transforme en proton, ben, c'est du rayonnement bêta moins, donc il va y avoir 4 électrons qui vont être émis, tout simplement. Fait qu'on va rajouter 4 électrons ici en haut, puis on va avoir trouvé notre réaction complète.